Il est un devoir de croire au supplice de la tombe. Ainsi, le mécréant responsable qui est mort sans s'être repenti de sa mécréance sera supplicié dans sa tombe. Entre autres choses, le feu lui sera exposé chaque jour deux fois, une fois au début du jour et une fois à sa fin. La tombe se ressuscera sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Il sera frappé par les deux anges Munkar et Nakir avec une masse de fer entre ses oreilles. Il subira d'autres supplices que ceux-là. De même, certains désobéissants musulmans, morts sans se repentir, seront suppliciés dans leur tombe d'un supplice moindre que celui des mécréants. Ils seront touchés, par exemple, par la pression de la tombe, l'inquiétude due à son obscurité et à sa solitude. Et celui qui nie le supplice de la tombe, alors il devient mécréant. Dieu dit dans le Coran ce qui signifie « Ils sont exposés au feu matin et soir, et le jour où arrivera l'heure, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans le plus intense châtiment. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. »